Tu m'as mal appelé. Appelle-moi au prié. Monsieur Jean-Michel Kangang. Monsieur Jean-Michel Kangang. Oui, tu as commencé par le commencement. Allô? Quand moi je t'appelle, tu ne veux même pas regarder derrière. Regardez derrière pour voir que. Vas-y, mademoiselle. C'est toi qui... Quand moi je t'appelais, tu ne voulais même pas regarder derrière. Toi, mais tu connais, les filles m'appellent ici, comme n'importe qui, comme n'importe comment. Quand j'ai entendu quelqu'un qui m'appelle, je ne savais pas que c'était ça. Moi j'avais même déjà honte parce que quand je t'appelais, tu ne voulais même pas regarder derrière. Dis quoi tu sais? Je me balade, non. Hein? Je me promène. Bon, on va se revoir. On va se revoir. Moi, je m'en vais à bas. Tu vas me laisser dehors avec tout ce froid. Je ne voulais pas te laisser dehors. Mais je crains seulement qu'il ne faut pas qu'après, que j'entends que oh, si je ne tue pas un cadavre ici aujourd'hui, si je ne tue pas un cadavre ici. C'est pour ça que... Ah, tu m'as vu avec qui? Je suis toute seule, non? C'est les mêmes questions que je te pose. Mais on peut partir. Allons, allons. Bon, allons. On va aller dans quel bar maintenant? C'est pas loin. Regarde, c'est champignon. Ah. C'est champignon, gros. Ça dit, chaque soir, dès que j'ai quitté mon boutique, je viens prendre quelque chose. Et ils ont acheté un nouveau disque. Tu connais le gars de Kripi là? Oui. C'est lui que les géants, que sa barbe se ressemble à nous autres. Uh-huh. Il venait de sortir un grand gros sanctuaire tout à moi. Quand le gars te joue ça, on dit que c'est lui que je joue. Tu ne comprends plus. C'est à partir de ce moment que chaque soir que tu me vois et que tu me vois ici. Prends place. Prends place. Bama! Patron! Bama! Patron! Viens! Arrête-moi! Viens! Ça, c'est ma femme. Oui, patron. C'est ma femme. Bonjour, madame. Bonjour. Ça, c'est ma femme. Qu'est-ce qu'il faut pour vous, madame? Qu'est-ce que tu manques? Je bois souvent la bière étrangeuse. La bière étrangeuse, c'est quoi, patron? Qu'est-ce que tu appelles bien glacé? Donnez-moi une 33 bien glacée. Donne-le. Et vous-même, patron? Donne-moi. Même jour. Tu sais que nous, on est ici, et chaque fois, c'est le bas de mon beau-frère. Oui. Quand tu entends toujours que champignon, c'est ici. C'est ici que chaque soir, quand je viens, me déclarer. C'est ici. Apo! Ouvre! Donne-le! Ouvre! Oui! Apo! Apo! À la santé! Tu m'offres la bière, toi-même tu finis encore de boire. À la santé. À la santé. Bama! Mais il n'y a pas la musique dans ce bar. Ah bon? Attends. C'est-à-dire, quand je te dis, quand tu donnes, va encore chercher. C'est moi qui paie. Apporte. Ajoutez. C'est moi qui paie. Ajoute. Ouais. À la santé. Le temps que tu vas au bois, je vais un peu faire le meringue. Alors, où est mon morceau préféré? Mama, oh, I...
Ils sont du village, ça c'est mon cousin ça. Frappe là. Frappe là. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Il boit souvent la 33. Donne-lui. 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 Ajou. Donne-lui. Prends encore. Ajou. C'est mon beau-frère. C'est moi que. Kepé. Ce que va prendre, c'est moi que paye. C'est mon beau-frère. Alors, comment c'est pour qui les villages? Très bien, beau-frère, mais il y a trop de poussière en route. Ah, pour la fin de poussière, c'est pas un problème. C'est à ceux qui dérange. Ajoute-le, ajoute-le. Ajoute, c'est mon beau-frère. C'est à ceux qui dérange. Pour la fin de poussière, si vous me voyez déjà, c'est nous qui sommes bien placés pour résoudre ces problèmes. D'abord, sur ce rue-là même, il ne devait pas y avoir un problème. J'avais vu la femme du chef de district. La femme du chef de district m'a dit que la femme du sous-préfet, elle lui avait dit que la femme du préfet a dit que la femme du gouverneur. Elle lui avait dit que la femme du ministre a dit que la femme du président lui avait dit que dans quelques jours, on va cimenter ces roues. On va cimenter ça. On va cimenter. On va couronner toutes les maisons. C'est à ce qui dérange. Elle avait moi. Maman, ajoute-le. C'est mon beau-frère. C'est moi que. À la santé, mon frère. Oui. Alors, vous allez causer le temps que moi aussi je fais un peu et les méringues. Regardez-le bien. C'est mon beau-frère. S'il arrive ici, s'il manque quelque chose, donne-lui. C'est moi qui paie. Beau-frère. Au revoir, beau-frère. Oui. Chaque jour que tu manques quelque chose, tu viens ici. Hein? Il fait très chaud par ici. Moi-même, j'ai voir comme ça. Je vais aller prendre un peu d'air dehors, j'arrive. Il fait très chaud. Alors, je t'accompagne. Ok, tu m'accompagnes comment? Alors, je t'accompagne. Je dis que je prends un peu d'air ici dehors, j'arrive. Il fait très chaud. Tu dis que tu m'accompagnes comment? J'arrive. On est venus ensemble. Tu connais que... Voici même mon sac et mes lunettes que je laisse ici. Je dis que j'arrive. Je ne suis pas venu avec les sacs. J'ai dit que, allons, je t'accompagne. Tu crois que ici dehors, il y a les bandits, hein? Il y a trop de bandits. Mais si... est-ce que les bandits là m'attendaient seulement? Adieu! Qui t'a dit? Est-ce qu'ils attendent toujours quelqu'un? Vas-y, et ils viennent toujours à l'improviser. Allons, je t'accompagne. Mais tu m'accompagnes?
m'accompagnes comment? Je dis que je prends un peu d'air ici dehors, tu dis que tu m'accompagnes comment? D'abord. Est-ce que les bandits là m'attendaient? Moi, je n'aime pas les choses comme ça. Je dis que j'arrive. Viens. Voilà mon sac et mes lunettes que je laisse là. J'arrive. Je ne suis pas venu avec les sacs. Viens. Je n'aime pas les choses des enfants. Je n'aime pas ça. Comment? Viens d'abord. Viens d'abord. Je n'aime pas les choses des enfants. Deux, tu vas aller dormir dans mon boutique. Aborda. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Ma maman m'avait dit de ne jamais dormir dehors. Que? Ma maman m'avait dit de ne jamais dormir dehors. Ta maman, hein? Oui. Elle t'avait dit de ne jamais dormir dehors. Mais elle a seulement dit que tu dois manger les maraîchers de quelqu'un. Tu veux même plus quoi, une petite bière comme ça? Donne-moi ce que je te demande. Ah, ne me perds pas le temps, les clients m'attendent, pardon. Les clients m'attendent. Quel client? Tu as un boutique. Mais tu ne savais pas? Vous ne pouvez pas partir, madame. Ne me touche pas comme ça, hein, tu comprends? Vous ne pouvez pas partir. Ne me touche pas comme ça, tu comprends? Vous ne pouvez pas partir. S'il vous plaît, ne venez pas faire les histoires ici. Hein. Barman, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me laisser tranquille? Qu'est-ce qui se passe, ma petite? Donne-moi ce que je te demande. Parce que j'ai plus sa petite bière. C'est la dernière fois. Barman, tu veux me laisser tranquille? J'ai dit que c'est la dernière fois. Donne-moi ce que je te demande. Monsieur, ne venez pas faire les histoires ici. Laisse-moi tranquille, ne me touche plus. Vous ne me connaissez pas, madame. Si je m'énerve, tant pis pour toi. Hein. Donne-moi ce que je te demande. Ou tu me rembourses mon maillot. Mon tu me donnes mon argent. Ah, Sambou, comme nous étions dans l'obscurité, je n'ai même pas bien vu. Regarde-moi ce crasseux-là, ce salopard-là. Qui est crassé? Toi. Qui est crassé? Donne-moi ce que je te demande. Regarde-moi ces chaussettes trouées-là. Comme nous étions dans l'obscurité, je n'ai même pas bien regardé. Tu as un mec qui. Pardon, hein? Dans mon boutiquier. Tu as un mec qui. Ah, pardon. Moi ou bien les chaussettes? Tu m'as bien regardé. Tu es quoi? Ah, tu m'as bien regardé. Hein? Un machin comme toi, tu es quoi? Pardon, c'est pas ce que vous faites aux filles ici en Vokada. Moi, je ne suis pas là, tu comprends? Tu es où? Je ne suis pas là, tu comprends? Tu es où? Donne-moi ce que je te demande. Ah, pardon, ne me touche pas. Un point, un grain. Tu me connais pas, hein? Pardon, laisse-moi passer. Donne-moi ce que je te demande. Ne me touche plus, tu comprends? Donne-moi ce que je te demande. Ne me touche plus. Donne-moi ce que je te demande. Je vais te faire du mal. Donne-moi ce que je te demande. Voilà. Tu sais à qui tu as fait? Tu sais à qui tu as fait? Mouf! Ce sont les petits mois de Yaoundé. Tu sais à qui tu as fait? Que tu as quoi? Si on arrive chez ce bordel, même un lit en bambou, il n'y a rien. Tu as quoi? Bon, ne me dérange pas, j'ai assez perdu du temps. Les clients m'attendent. Tu te rends compte? Les clients m'attendent, tu comprends? Hein? Tu as un boutique? C'est pas parce que tu m'as offert une petite bière. Tu as un boutique? Tu ne savais pas? Rembourse-moi. C'est pas parce que tu m'as offert une petite bière ici. Parce qu'on parle, on parle encore comme ça, tu parles encore. Laisse-moi tranquille. Donne-moi ce que je te demande. Donne-moi ce que je te demande. Donne-moi ce que je te demande. D'identité. Quoi? Présentez-moi votre carte d'identité. Demande d'abord à ce bordel. Mademoiselle. Monsieur. Votre carte d'identité. Je n'ai pas de carte d'identité, elle m'a pris le coup. Mais, c'est mal le bordel. Est-ce que vous allez me dire ce qui se passe? Mademoiselle. Monsieur. Que se passe-t-il? Demandez à ce salopard, à ce crassou-là. Calmez-vous donc. Demandez à ce négrumain. Que se passe-t-il? Si je raconte, c'est le cœur qui me dit que raconte. Ça dit, je suis devant. J'entends des Jean-Michel. Jean-Michel. Viens, Imam, moi je peux t'appeler. Tenez-vous, mademoiselle. Qui m'appelle? Je regarde à gauche, je ne vois pas quelqu'un. Je regarde à droite,
Jean, moi, pas. Dis-moi, moi, je peux t'appeler. Laissez-le parler. Quand je lance les yeux et dans l'inoscurité, parce que je vois les bordels qui viennent. Bordel ta mère, tu comprends? Bordel, toi, c'est. Calmez-vous! Tu es un nez noir. Tu vas mourir blanc. Alors, ça s'achète en pharmacie, j'ai de l'argent, pauvre type. C'est la dernière fois que mes soeurs. Continuez vos explications. Je suis devant et m'apprête. Mais voici que je le prends. Je lui amène à moi, je peux t'appeler. Qu'est-ce que tu manques? C'est comme ça que les gens mangent. Madame, Enegen, Bessé, au Guinée. J'achète et je le donne. Quand les minutes s'envolent, c'est comme ça que les secondes partent. Il m'appelle. Il me dit, oh, mon cousin est venu. Mon cousin est venu. Qui t'a même dit ça? Qu'est-ce qu'il manque? Madame, Enegen, j'achète et je le donne. C'est comme ça que les gens mangent ici à Yaoundé. Hein? La vie est dure. Et par me voir. Comment les bandits là sont sortis? Il me dit, bon frère, je m'en vais déjà. Je m'en vais déjà. Après, quand elle est partie, il fallait me voir comment les bordels s'y a commencé. Bordel ta mère, tu comprends? Bordel ta mère. Il n'y a même pas les bandits à monter ici. Il n'y a même pas les crimes. Moi-même, j'ai regardé au niveau de la chambre, à la chambre de ceci. Toi, tu peux entrer dans ma chambre. Si on arrive chez ce machin, même un lit en bambou, peut-être qu'il n'y a rien. Ça, ce sont les gens, les genres que les cartons en bas et se couchent. Alors, quand elle voulait partir, je lui dis non, donne-moi mon maillot. Ou alors, tu me rembourses mon argent. Et il a d'abord avancé le premier coup de poing sur moi. Sur moi. Il ment. C'est ça que tu as trouvé. J'ai dit, même comme vous êtes lâché, là où vous nous voyez, tu attends quand tu me regardes. Là où vous nous voyez, ici où nous sommes, deux jours, où est mes rembourses, mon maillot, où est mes dons, mon argent. Parce que là où vous nous voyez, ici, on monte en haut, on descend en bas, un cadavre doit mourir. Mademoiselle, situation. Quelle est votre version, vous, des faits? C'est-à-dire, chef. Mouf, que français, un plan français ne commence pas par c'est-à-dire. Laissez-la parler à son tour. Eh ben, je vous écoute. Chef. Après notre chef, c'est donc chef. Laisse-moi tranquille, hein. Oui, ben. Bordel comme celui-ci. Bordel ta mère aussi, pop. Quand il va venir pour la dernière fois, je vais lui montrer mes couleurs. Mademoiselle, je vous écoute. J'étais au balcon de ma maison. J'attends. Quand tu m'as appelé, je n'étais pas au balcon de ma maison. Comment les canaris? Quand tu m'as appelé, je n'étais pas au balcon de ma maison. Oh. Ah, pardon, laisse-moi parler. Est-ce que vous allez la laisser parler à son tour? Que pas. J'étais au balcon de ma maison, je lisais mes romans photos. Après, j'entends ce. Quand tu m'as appelé, je ne lisais pas mes romans photos. Tu connais lui? Après, j'entends seulement en rire. Est-ce que vous allez vous taire, monsieur? Est-ce que je parle encore? Si tu m'entends encore, là, c'est que ce n'est pas moi. Je vous écoute, papa. Après, j'entends seulement Henriette. Quand j'arrive, je demande, toi, tu ne m'as pas appelé? Tu ne m'as pas appelé? Après, il me dit, est-ce que tu peux m'accompagner ou pas? Je lui dis, non, je peux prendre ma carte d'identité. Il me dit, non, on ne met pas long, pardon, accompagne-moi ici. Quand on est au balcon, on ne doit pas avoir la carte d'identité. Oui, continue. Continuez, mademoiselle. On arrive ici, monsieur le commissaire, il m'offre une bière. Je n'ai même pas pu boire sa bière. Oui. Après, il dit, est-ce qu'on peut aller dormir dans mon boutique? Je lui dis que ma maman m'avait dit de ne jamais dormir dehors. Pardon, laisse-moi partir. Après, il dit que ici où nous sommes, on monte, on descend, un cadavre doit mourir. Il se met à me menacer, chef. Que te menace? Toi. Ça ne te fait pas honte? Et elle a les yeux qu'on le sait pas. Ça ne te fait pas honte? Qu'est-ce que tu racontes là? C'est la vérité. Mademoiselle, chef. Ne prenez pas l'habitude d'accepter les pots des gens que vous ne connaissez pas. Elle me connaissait. Elle me connaissait. Elle me connaissait. Mademoiselle, chef. Prenez aussi la peine de vous balader avec vos pièces d'identité. Sinon, la prochaine fois, je ne vous laisserai pas. Donc, cette fois-ci, tu vas lui laisser. Allez, vous pouvez filer à présent. Merci, chef. Tu dis merci. Voilà. Oui. Tu dis merci. J'ai bu une jambe.
Tiens. J'ai bu Njo. Et c'est comme ça que tu vas mourir, Njo. Tant à vous, monsieur. Ah, bon. Monsieur, ce n'est pas pour une petite bière que vous allez faire des histoires à une femme. C'est pas quoi. Ce n'est pas pour une petite bière que vous allez faire des histoires à une femme. C'est pourquoi. Tiens, cotisez combien avec moi. Allons, allons, vous n'êtes pas une bière près. Je suis à quoi. Vous êtes quand même un monsieur respectable. Et après. C'est comme ça. Quand vous les voyez ici en haut, on dit, hey, il est devenu fou. Il est devenu fou. On peut accuser un vieux au village qui n'a pas la force de taper sur son enfant. Oh, c'est Dieu qui lui a tué. C'est Dieu qui lui a tué. Alors que celui qui tue est lui-même. Elle me mange mon mari. Oh. Après, elle dit qu'il a pignon. Et toi, tu arrives, tu encore rien, tu veux intervenir. Tu voulais me raconter. Bon, ça va. Sauve les gens. Ça va. Barman, patron. Quelle heure est-il? Il est 1h du matin, patron. Et qu'attendez-vous pour fermer? Tout de suite, patron. Faites-moi le plaisir de fermer ça tout de suite. Tout de suite, patron.